Françaises, Français, votre gouvernement vous adresse un message. Votre patrie est en grand danger. Elle a besoin de votre soutien. L'enseignement supérieur en France se porte très mal. De nombreux symptômes affligent le monde universitaire. Super Pécresse, bien nous en aide. Jusqu'alors, trois conseils régissaient la vie universitaire. Le conseil d'administration ne prenait ses décisions qu'en regard des propositions du conseil des études et de la vie universitaire et du conseil scientifique. Tous trois élisaient le président. Afin de gagner en efficacité, Super Pécresse donne au seul conseil d'administration le pouvoir d'élire le président. Les deux autres conseils deviennent purement consultatifs. Au sein du conseil d'administration sont représentés les étudiants, les professeurs, le personnel non enseignant et des personnalités extérieures. Pour simplifier les prises de décision, Super Pécresse réduit le nombre de gauchistes et de glandeurs. Super Pécresse propose en plus aux universités d'acquérir gratuitement la propriété de leurs locaux, ainsi que leurs frais d'entretien. Jusqu'à présent, le budget global des universités ressemblait à ceci. Une enveloppe générale et des financements sur projet. Mais Super Pécresse simplifie tout. Elle liquide la dotation globale au profit du contrat pluriannuel, qui distingue les montants affectés à la masse salariale des autres crédits d'investissement et de fonctionnement. Et ce montage comptable cache une fabuleuse arme secrète. La fongibilité asymétrique. Cela veut dire que le conseil d'administration peut voter une ponction sur la masse salariale au profit des autres budgets. L'inverse n'est pas possible, et cette décision est irréversible. Et oui, en temps de crise, il faut se serrer la ceinture. Mais il n'y a toujours pas plus de fric alors. Mais si, car Super Pécresse a pensé à tout. Propriété des locaux, accroissement des personnalités extérieures, grâce à l'humanisme des élites de notre beau pays, banquiers, entrepreneurs et autres actionnaires, votre université pourra bénéficier de mannes privées. Sachez donc vous montrer attractif. Vous vous demandez ce qu'en ont pensé les parasites de l'ancien système ? Le 10 août, les forces du mal étaient en vacances. On en a profité pour voter cette loi LRU. Mais pourquoi elle est toujours bloquée, ma fac, alors ? Ne vous inquiétez pas, la force du bien triomphe toujours. Merci, Super Pécresse.